Gardez-vous seul à trois maisons. Gardez-vous seul à trois maisons. Et non y foutre les chevrons. Et non y foutre les chevrons. C'est pour loger les hirondelles. Que direz-vous, gardez-vous seul. Oh, 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 oui, mais bon. Gardez-vous seul, les bons enfants. Ah, 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 oui, mais bon. Gardez-vous seul, les bons enfants. Gardez-vous seul à trois habits. Gardez-vous seul à trois habits. Deux jours de l'eau ne prend pas pied gris. Deux jours de l'eau ne prend pas pied gris. Il fait ce cuit-ci quand il gèle, ou quand il pleut, ou quand il grêle. Ah, 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 oui, vraiment, allez-vous seul, les bons enfants. Ah, 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 oui, vraiment, allez-vous seul, les bons enfants. Gardez-vous seul, la trois garçons. Gardez-vous seul, la trois garçons. L'un est voleur, l'autre est flicon. L'un est voleur, l'autre est flicon. Le troisième est la peau ficelle, qui ressemble à gardez-vous seul. Ah, 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 oui, vraiment, allez-vous seul, les bons enfants. Ah, 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 oui, vraiment, allez-vous seul, les bons enfants. Gardez-vous seul la trois gros chiens. Gardez-vous seul la trois gros chiens. La cour au liège, vos gros lapins. La cour au liège, vos gros lapins. Troisième temps, quand on l'appelle comme le chien de Jean de Nivelle. Ah, 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 oui, vraiment. Gardez-vous seul les bons enfants. Ah, 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 oui, vraiment. Gardez-vous seul les bons enfants. Où vas-tu? Au bureau. Encore? Tu es déjà allé hier? Non, hier je n'ai pas le temps. J'étais occupé à être malade. Comment te sens-tu aujourd'hui? Comme tu voudras. Je veux que tu sois malade. D'accord, je serai malade ce soir, mais maintenant il faut que je sorte. Prends-moi dans vos barrets. Il ne sent pas bien barré. Il suffit de la dehors. Tu n'emportes pas ton chien? Oui, j'ai dans ma poche. Et les enfants? Ils sont au courage pour la faire passer. Hein? Allons, ce soir. Oh, tiens! Voilà une autre montre. Parfait, elle est en avance. Allez, à ce soir. À ce soir. Madame, je voudrais un ticket. Monsieur, malheureusement, je n'ai plus de crier ticket. Ce n'est fait rien. Donnez-moi. C'est combien? 1000 francs. Ce n'est pas cher. Voilà, 1000 francs. Merci. Mais je ne sais pas quand le métro partira. Ah, il est arrêté. Oui. Pourquoi? À cause de la pluie. Mais il fait pourtant beau soleil. Ça ne fait rien. C'est le soleil de jour de pluie. Ah, je comprends. Je vais entendre. On va faire la conversation tous les deux? C'est ça. Vous aimez parler cuisine? Oui, beaucoup. J'ai tout le temps fait. Moi aussi. Qu'est-ce que vous pensez de la crème au vinaigre? Très, très bon. Je mange à chaque repas avec le coup de cap. Aujourd'hui, je sens mes trous. Aujourd'hui, je sens mes trous. Ah, c'est vrai. J'oubliais. Il n'y a pas de métro aujourd'hui. C'est ennuyeux. Comment est-ce que je vais faire pour aller à mon bureau? Prenez le métro Saint-Blanc. Il passe bon. Toutes les 5 minutes. Ah bon, je le prends. Alors, ce soir? Ah, ce soir? Quelle est votre adresse? Je n'en ai pas. Venez quand même. Ce n'est fait rien. C'est à gauche. Entendu? Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Très bon ton remède. C'est toi qui l'as fait? Oui, avec du vin, un peu de beurre, de la salade cuite et aussi du sable naturellement. C'est tout à fait ce que me fallait. Maintenant, donc, je m'en vais 5 minutes. Alors, qu'est-ce que tu fais? J'ai pris des verres. Encore? Mais elles ne sont pas des vrais verres. Ah bon? Alors, viens plutôt jouer avec moi. À quoi? À faire la cuisine. Tu sais bien que tu as invité le dame du métro. Ah, c'est vrai. Bon, qu'est-ce qu'on va manger? Bien, une soupe pour commencer.
Tiens, voilà des carottes, des carottes, des pommes de terre. Bien, on va les faire pour les lèvres. Ça y est, ils sont cuits. Mais il fait. C'est aussi pour la viande. Ah, tu les mets, quoi? Ah, tant mieux. Tu vas voir, il y a qu'à la poser sur le feu. Et voilà, trois beefsteaks. Tiens, le docteur, recouche-toi vite. Ah, c'est vrai, je suis si malade. Bonjour, docteur. Oh, bonjour, madame. Permettez-moi de vous embrasser. Attention à ma coiffure. N'aie pas peur, je m'y connais. Alors, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Je suis si malade, docteur. Je l'ai pris au bureau. Oh, c'est très dangereux, le bureau. Voyons, voyons. Vous avez de la température? Oh oui, docteur, elle a de la fièvre depuis tout à l'heure. Alors, faites voir votre main. Tiens, elle est bien sale. Vous vous lavez souvent? Pas souvent, il y a plein de savon. Oh, c'est juste. Et votre langue? Un peu noire, je parie que vous avez mangé de la réglisse. Oui, je l'achète de la réglisse au bureau. Ah, oh, décidément très dangereux ce bureau. Et comment vont vos pieds? Ils vont bien, merci. Tiens, ils sont aussi sales que vos mains. C'est de cause de chaussures. Ah oh, oui, mais c'est dangereux, ça doit être la rougeole. Vous souffrez d'un symptôme. Qu'est-ce que c'est que ça, un symptôme? C'est une grave maladie, une maladie grave, on en meurt. Mon Dieu, docteur, est-ce possible? Tiens, qui est-ce qui peut sonner à cette heure-ci? Entrez quand même. Bonjour tout le monde, je ne vous dérange pas. Dodu, c'est la dame du métro qui vient pour dîner avec nous. Asseyez-vous donc, le docteur achève mon mari. Je suis à vous dans un instant. Ne vous pressez pas, j'entendrai. Bon, alors... Je vais vous faire une ordonnance. Avez-vous du papier? Oh, voilà, docteur. Ah, merci. Voici le régime. Un bouillon de légumes toutes les 2 heures. Une promenade en chevaux de bois le matin à jeûne. 3 fois par jour, un cataplasme composé de charbon, de plâtre et de fromage de gruyère. Évitez le bureau. Restez allongé ou debout selon les cas. Se laver les mains et les pieds avant chaque repas. Voilà, c'est tout. Merci, docteur. Je vous dois combien? 100 000 francs. Et voilà, 1 000 francs. Ah, merci. Et au revoir. Je reviens dans 1 heure pour voir si ça va mieux. Je vous accompagne, docteur. Chère dame du métro, je vais vous faire parce que je vous aime. Moi aussi, dépêchons-nous. Faites-moi un enfant. Tu te souviens. Et voilà, c'est un garçon. Merci. Ça fera des allocations familiales. On va être riche. Et moi, je m'en sens vraiment mieux. Tu n'es plus malade. Il n'est plus malade pour le moment. C'est bien embêtant. Pourquoi? Parce que je suis la mort. Il va falloir que je revienne. Comment? Vous êtes la mort et vous ne le disiez pas? Voulez-vous ficher le camp tout de suite? Je m'en vais. Et je reviendrai tout à l'heure. Et nous verrons. Je suis fatigué, je me récuche. Non, tu n'es pas fatigué. Si. Non. Si. Non. Si. Alors, viens au cinéma avec moi. Pour l'aider, où ça? Tu vois bien que tu n'es pas fatigué. Je ne suis pas fatigué pour aller au cinéma, mais je suis fatigué pour rester ici. Je parlais que c'est le docteur. Attends, j'ai une idée. Recouche-toi. Je te le disais bien. Entrez. Ah, comment va mon malade? Je suis malade, docteur. J'ai les pieds de plus en plus sales. Oh, mauvais ça, très très grave. Je crois qu'il va mourir. Ouh, ça se pourrait bien. Docteur, mon pauvre mari va vous demander quelque chose avant de mourir. Ah, volontiers, quoi donc? Il voudrait jouer au médecin. Rien de plus facile, je lui apprendrai. Bon, alors, lève-toi, mon mari. Eh là là, mon Dieu, comme je suis fatigué. Fais un effort. Bon, maintenant, docteur. Couchez-vous à sa place pour lui donner sa leçon de médecin. Oh, c'est étonnant ça. Moi qui ne suis jamais malade. Voilà. Alors, M.
5 silhouettes, 8 minutes 10. Ah bon? Vous savez compter, vous ferez un très bon médecin. Maintenant, regardez ma lampe. Oh, je vois un petit bête sur le bout de votre langue. Je vais faire la fraction. Mademoiselle, donnez-moi un pince à sucre. C'est le dame du métro. Entrez, on vous attendait. Je savais bien qu'il m'en avait pour tout pour très longtemps. Je viens la chercher pour l'amener au cimetière puisque je suis là. Je vous en prie, je serais bien débarrassée. C'était un vilain mari. Il faisait des enfants à toutes les dames. Je le sais bien. Il m'en avait à tout à l'heure. Allons. Au cimetière. Mais je ne suis pas le malade, je suis le médecin. Ça n'est rien, vous êtes mort. On va vous enterrer. Pour vous, que j'emporte quelqu'un. Ça m'est égal. Allons, venez. Au revoir. Tant pis pour la docteur. Bon, débarras. Et toi qui voulais que je sois un médecin. Comme c'est dangereux. Comment? Tu es sauvé grâce à moi? Et c'est comme ça que tu m'en remercies? À nous deux, mon petit bonhomme. Tu vas descendre la boîte à ordures, tu vas faire la vaisselle, tu feras le dîner, moi je mangerai le poulet, et toi, tu seras privé de dessert. Quelle est la